bien commun initialement, c'était des choses qui avaient effectivement une rareté et qu'on voulait protéger l'utilisation de ce bien commun contre une surexploitation. Là, on est dans une situation tout à fait inverse. On parle encore de bien commun, mais c'est un bien commun que plus on l'utilise et plus il a de la valeur. Utilisez-les le plus possible. L'aspect politique, c'est le bras qui permet de formaliser comment on peut utiliser ce bien commun. Puis ça, c'est vrai autant pour le bien commun tangible que le bien commun intangible. Mais la façon de l'entretenir est fondamentalement différente des anciens biens communs qu'on essayait de protéger. Les nouveaux biens communs, on essaye de les faire grandir, au contraire. Le principe de la culture libre, ça a été de récupérer les licences qui ont été produites d'abord dans le logiciel et qui donnent au créateur la possibilité, justement, dès l'origine, de choisir s'il veut l'application du droit exclusif ou alors un régime qui est alternatif, qui au lieu de partir de l'interdiction, donne des permissions aux utilisateurs. Fondamentalement, Internet, par sa structure décentralisée, peut être compris comme un bien commun qui donne à chaque individu la capacité d'émettre des données ou de les recevoir d'une manière égale avec l'ensemble des pairs qui agissent sur le réseau. Moi, je viens du milieu open data, données ouvertes. On commence à regarder un peu, c'est qui nos voisins, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc on parle d'open access dans la littérature scientifique, on parle d'open source dans tout ce qui est code, etc. Sauf que l'open source, c'est plus juste le code, maintenant ça devient, comme on disait tout à l'heure, le monde physique aussi, on développe des choses open source. Ben justement, ça prend d'avoir le droit de le faire. On hérite d'une grande histoire. C'est pas juste une question de format de données, là. C'est de la culture organisationnelle. Le premier nom qu'on reçoit, ça vient des cadres intermédiaires et des propriétaires de données, c'est « ils vont faire quoi avec ça ?» Alors, déjà là, au départ, il faut l'exprimer. Qu'est-ce qu'on veut ? Une citation que j'aime rappeler, hein, de Serge Doubladov, qui dit « Quand on partage un bien matériel, il se divise. » C'est l'exemple de la pizza, hein, au départ. « Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. » Si on essaie de lutter contre ce précipité, on ne peut que tomber dans la spirale répressive, parce qu'on va à l'encontre de la nature même du réseau et de ce que produit le numérique. Individu, réseau, rapport entre individus, notion de pouvoir, dans une société qui ne serait ni capitaliste ni étatique, ces deux termes, réseau et individu, permettraient d'imaginer de penser un système de relations sociales qui serait fondé sur peut-être des autres notions de pouvoir. L'ouverture de données, les communs, c'est avec des logiciels, des technologies. Quand on délègue seulement à des informaticiens ou à des géomaticiens le know-how de ces outils-là, de ces données-là, on perd. Je trouve ça intéressant de partir de l'angle que le citoyen peut créer des données, beaucoup plus que de partir d'essayer de m'approprier les données. Une efficacité pédagogique pour que des gens qui, d'après leurs convictions, sont déjà dans le paradigme des communs, mais qui, en fonction de la réelle politique, de leur existence commerciale comme institution, comme travailleur. Si on cartographie, si on multiplie les exemples concrets, réalistes, existants, et qu'on les diffuse, c'est comme ça qu'on va faire de la pédagogie, c'est comme ça qu'on va convaincre. Je pense que c'est vraiment essentiel de remettre la question du modèle économique en avant et de se dire que le mouvement des communs n'est pas un mouvement de la gratuité. Au contraire, une de ses préoccupations essentielles, c'est le caractère soutenable dans la durée des initiatives. L'individu qui l'a fait a, lui, un modèle économique qui lui permet de contribuer. Quand je fais quelque chose, je suis contraint de le redonner. C'est sûr que quand on voit les données ouvertes, quand on voit l'open source, autant logiciel que réel, c'est-à-dire des gens qui publient les plans pour faire des voitures, on voit tout de suite la capacité qu'on a à avoir un modèle vraiment de fonctionnement économique qui est différent. Moi, j'ai été très lié à un mouvement de la culture libre, tout en sentant de plus en plus les limites et en ayant besoin d'un cadre théorique qui me permette de penser une évolution plus globale du système. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est l'approche par les biens communs qui permet de penser ce cadre global d'une réforme plus large.